18 personnes s'acharnent contre toi et contre ta chaîne. On te met dans 2 mètres sur 3 et tu n'as pas accès à l'eau ni aux latrines. Ça, c'est une tentative d'assassinat. Il y a de cela quelques jours, à la prison de Fou, où je suis détenu de façon illégale, on m'a accusé d'avoir diffusé les informations sur les réseaux sociaux. Quand ta femme te trompe et qu'on te dit que ta femme te trompe, ne cherche pas qui a dit, cherche si c'est vrai. Est-ce que les informations étaient vraies? Je pose encore la question. On m'a enchaîné, on m'a mis en isolement. J'ai passé 11 jours. Je suis sorti là-bas avec des mycoses. Il y a une injection, on appelle ça estancérine. Je ne suis pas médecin. On m'injecte chaque semaine. J'ai 4 injections. Les gens ont cherché à me tuer parce que j'appelle ça une tentative d'assassinat. Parce qu'on me soupçonne d'avoir diffusé une information sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu accès. Je n'ai eu accès ni à mes avocats, ni à ma famille. Et on va me dire que nous sommes dans un pays des droits de l'homme. Pendant que je suis en cellule, on est en train de brûler les enfants et les jeunes femmes au nord-ouest. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui peuvent se balader avec les tissus du 8 mars pour dire qu'on va se rassembler le 8 mars pour célébrer la femme. On ne peut pas célébrer la femme pendant que les femmes sont en train de mourir au nord-ouest. Vous me voyez menotté. Je suis menotté à celui que l'État du Cameroun a appelé un terroriste, un sécessionniste. Il s'appelle Babila Venant. Le destin nous a unis. Nous sommes des frères. Ils ont été frustrés. Nous savons qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Ils ont été frustrés. Nous avons revendiqué le dialogue national. On nous a pris un ami en cours. Et plus tard, mon arrière-grand-père a quand même organisé le dialogue national. Dialogue. Ça veut dire que monologue, parce qu'il parlait seul. Il faut préciser. Ça veut dire que ce que nous réclamions était quand même légal et légitime. Nous sommes encore en fou et nous interpellons là la conscience collective, nationale et internationale, pour dire que nous sommes détenus en fou de façon illégale depuis le 6 août 2019. Les injustices que nous subissons là-bas, Dieu seul le témoin. Je suis dans un local. Je sais que comme je vais rentrer, on va encore me mettre en cellule. Il y a eu 14 morts dans mon local. Aujourd'hui, il y a eu 2 morts. Le dernier, c'était une nana. Malheureusement, coïncidence, c'est mon abonné. Je suis obligé d'en parler. Comment se fait-il que dans un local, il y a 14 morts en moins de 6 mois? J'ai connu quelqu'un qui a signé son mandat de dépôt le 12 mai 2017. Il est à 59 morts dans une prison. Ça veut dire pendant qu'on tue les gens au nord-ouest, on tue également la jeunesse ici. Et nous devons prendre conscience. Je suis déjà en prison. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est me tuer. Je suis même déjà mort. Parce que, bien sûr, je ne sais pas ce qu'on m'a injecté au CERD. Ils m'ont détenu au CERD de façon illégale qui est une prison. Ils m'ont injecté, ils m'ont torturé, ils ont frappé mes testicules. Ils m'ont dit que je ne devais plus avoir l'enfant. Je vais tester avant de voir. Nous sommes en fou et les gens meurent là-bas. Les gens meurent. Fou n'est pas facile. Les gens meurent. Quand vous voyez les boutons là, c'est la chaleur. Nous sommes dans une cellule où nous sommes 143 actuellement. Les gens meurent. Vous riez, mais moi je ne ris pas. Parce que j'ai les larmes qui coulent, non pas sur mes yeux, mais dans le cœur. Ce qu'on ne voit pas dépasse ce qu'on voit. Je vais me retirer. Je vais dans mon domicile.